Les autorités russes ont déclaré une journée de deuil après la fusillade d'une école qui a fait neuf morts, dont sept élèves. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances et a ordonné une révision de la législation sur les armes à feu. La fusillade qui s'est déroulée mardi dans la ville centrale de Kazan est l'une des pires de l'histoire russe récente. Parmi les 20 personnes envoyées à l'hôpital, 18 d'entre elles étaient des élèves les autorités ont identifié la comme étant un ancien étudiant d'une université locale qui en avait été exclu à cause de ses mauvais résultats académiques.